Mon habit du dimanche, c'est un jean avec des Converse et puis un pull tout doux, un pull Zadig que j'ai depuis très longtemps, qui est un pull gris avec des petites coudières là et que j'adore. Voilà, qui est très agréable. Une chanson du dimanche. Une chanson du dimanche, probablement une chanson de Véronique Sanson, Drôle de vie peut-être. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas à Paris le dimanche? Enfin, je ne suis pas à Paris le dimanche et que je suis partie le vendredi après-midi et que je suis à cheval dès 10h du matin. J'ai mon cheval qui s'appelle Lou dans le sud-ouest. Je vais au club vers 9h, je le prépare et je pars dans la montagne noire me promener avec lui pendant 2 heures et c'est un dépaysement total. Toute seule? Ouais, toute seule ou avec des amis, mais toute seule ça m'arrive, j'ai confiance et bien. Et je n'ai qu'à le lâcher au commencement d'un petit chemin. Il sait qu'il a une longue ligne de galop, il part tout seul et je me dis voilà. Il est vraiment content et moi aussi. J'écoute de la même manière la radio le matin, je lis aussi les journaux. Un peu plus tard, ça m'arrive, mais je suis toujours. Alors j'ai moins tendance à mon téléphone parce que quand on est sur un cheval, il faut être assidu. Mais j'ai mon téléphone dans la poche et puis je regarde les dépêches. Je peux pas m'empêcher quand même. Ah ouais, même à cheval. Ouais, je suis pas. Les caractères urgents, ça me traumatise maintenant. Quels sont vos souvenirs d'enfance du dimanche? Ils sont magnifiques, mes souvenirs d'enfance. C'est préparer le repas avec mes parents à la campagne en Bourgogne. On a une maison de campagne et où j'y passais quasiment tous les week-ends de mon enfance. Alors, c'était aller à Joigny, au marché de Joigny le matin, préparer la cuisine, aller jouer dans le jardin et rêver qu'un jour j'aurais peut-être un cheval. Voilà, et le rêve s'est réalisé. Vous voyez, donc, faut croire en ses rêves. Ça, c'est mes rêves du dimanche.